fait tout le temps des petites midinettes comme ça, une petite jupe avec un monsieur qui la suit comme ça de près. Et que c'est pour vous, c'est qu'est-ce qu'elle fait cette midinette à petite jupe? C'était la femme, c'était sa femme, la midinette à petite jupe. Ça, c'était la femme de personne. Hein. C'est comme toutes les femmes qui passent dans cet hôtel. Hein. C'est quoi la femme de personne, c'est quoi? C'est pas en mettant de petite jupe comme ça qu'on va trouver un mari. D'accord. On va trouver le problème, on va trouver des choses, mais pas de mari. Elle, spécialement, non, je ne l'ai pas vue, mais il y en a eu d'autres. À mon avis, ça aurait été pareil. Il y en a eu d'autres qui vont tout le temps faire tout le temps la même chose, qui vont aller monter là-haut. Et puis ça va faire du bruit, et puis après ils vont descendre, et puis il n'y aura plus de bruit, et puis c'est bien hein, ce qui se passe. Et vous louez des chambres d'hôtel pour quelques heures? Bah, faut bien vivre. Ça m'a fait bizarre, j'ai entendu des cris et après des coups de feu. Donc je voulais voir un mot. Donc on sait que mon collègue était à l'hôtel, mais on voudrait savoir pourquoi. Donc on voudrait savoir ce que vous avez vu ce jour-là en fait. Si vous avez vu un homme accompagné de quelqu'un, parce qu'apparemment s'il était accompagné de personnes. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais rendez-vous aussi. Avec? Avec une indique. Elle va venir, on va l'attendre ensemble. On va s'expliquer. Je suis rentrée à peu près en même temps qu'eux, donc je les ai vus arriver. Ils étaient, monsieur était avec une dame. Des travestis, des clowns, Je n'ai aucune raison de le tuer. C'est sa femme qui... Je n'ai aucune raison de le tuer. C'est sa femme qui... J'ai mal. Il a mal, il souffre. Bon. Ah, et toi, tu vas le consoler. Il a pas tout le temps. Tu veux que je te dise? Non. Tu es 127e sur la liste. Oh, ben alors j'ai le temps, alors. J'ai le temps. Tu es sa 127e maîtresse. J'ai mal. Bon, moi, j'ai un numéro. Mais j'existe. Petite, ça fait 20 ans qu'on est mariés et on est encore mariés. Oui, mais ça n'a pas de donc sens. Donc, tu es une page qui va vite se tourner. Mais ce n'est pas grave. C'est une page qui existe. Et moi, elle est écrite, celle-là. Hein? Parce qu'il y a 126 à maman qui ont été écrites. Mais avec toi, elles sont toutes blanches. Voilà pourquoi il a écrit autant. Même si j'en ai fait les 126 autres. Tu sais ce que j'en ai fait les 126 autres? Ah, mais tu me fais pas peur. Tu me fais pas peur du tout. Thank you.
Je suis pas au courant, moi je travaille au Rouge-en-Croix, je ne fais que vendre. Il y a des personnes qui venaient des États-Unis, ben, il y a des caisses qui partent comme ça, je ne sais pas où. C'était au moins une fois par mois. Il y avait un regroupement comme ça avec mon patron, une grosse réunion. On n'a même pas le droit d'y aller. D'habitude, il me demande d'aller chercher du café, il n'a même pas le droit. Donc là, je me fais ça. 6 individus. Ah ben là, c'est mon patron. D'accord. Là, c'est le monsieur qui vient tous les mois. D'accord. Le monsieur de dos torse nu. Ouais. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il doit revenir de la plage. Vous n'y étiez pas présente ce jour-là, ce jour de ce bal? Non. Non? Pas non. Vous ne savez pas qui a pu prendre la photo? Alors à ce moment-là, ils sont, lui et sa maîtresse sont sur le canapé de son appartement. Il y a de l'orage dehors et il découvre dans son sac qu'elle a un revolver. Elle, complice de son amant, lui dit « Mais c'est pour tuer ta femme. » Ta femme. Oui, ma femme. Et il lui répond. Oh, tu sais, c'est que... Je veux plutôt engager un vrai professionnel. Il s'approche d'elle, j'allais dire de sa proie, pour l'embrasser. Elle est à ce moment-là livide et le repousse. Et elle lui dit... Trois petits points. Et moi. Alors lui, à ce moment-là, il a compris qu'elle devenait dangereuse et il lui dit « Mais qui engagerait une tueuse comme toi ?» Comme toi. Et elle prend le flingue et pan, elle le descend.